de mouvement de sa part. Allez, première incursion waslandienne dans le camp adverse avec un centre ici intéressant vers Ola Debomi, il suffisait de le dire. Ben voilà, la tête et la parade de Bati de Beveren qui se met déjà en évidence et qui aurait pu inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs, mais belle parade de Debati, la main ferme. Et on est là-bas dans le côté droit du stade de recours. Atterri dans la surface, qui tente de jongler. La frappe d'Atterri, ça a été touché ou pas? Non, c'est au-dessus. Première occasion liégeoise. Liège qui n'a pas transféré de buteur supplémentaire. Le buteur tente espéré, mais Atterri là, eh bien, se crée une nouvelle occasion et on réclame pratiquement. Chez Da Silva. Da Silva encore. De Stilio. De Stilio à l'entrée de la surface. Est-ce qu'il peut frapper? Non. Ça a été repoussé. Et maintenant à distance avec le rebond juste devant Reus. Bonne prise de balle du portier de Beveren. Et on revoit cette belle frappe sans se poser de questions. Et le rebond Da Silva. Ce sera botté directement. Da Silva, c'est parti. C'est bien donné. C'est capté avec beaucoup d'aisance par Reus. Chercher Atterri. Atterri, il parvient à se retourner. Atterri en bonne position, la frappe peut-être. Non, on écarte. Mouchant maintenant. Boum, au-dessus. Ça passe assez largement au-dessus. Atterri, la frappe. Oh, elle est pas mal. Sur la barre transversale. Quel boulet de canon de Zakaria Atterri. Sans doute le meilleur joueur de Liège sur le terrain ce soir, Zakaria Atterri. Quelle frappe à la retourne, sans se poser de questions, bim! Alors ce sera à la place soit de Gueusens, soit de Wall. Mais à mon avis ce sera Gueusens qui est déjà jauni et qui va prendre un deuxième carton à l'instant. Catastrophe au moment où on allait procéder au changement. Alors là, conclusion de Gueusens qui devait sortir, hein, je vous le disais. On me confirme, on me fait signe de la tête ici sur le banc de Beveren que c'était pour lui. Eh bien, c'est incroyable. Il en aura subi des contacts. Et le coup franc, maintenant, avec la remise, justement, de Atterri, c'est cadré. Cette reprise de la tête de l'attaquant liégeois, l'homme le plus en vue. Ah, cette volonté, maintenant. Le centre, il est bon ce centre. Et à nouveau, Reus, des points. Et là, le ballon toujours dans la surface, la frappe peut-être. Oh, ça passe à côté. Lambeau, c'est sur Dick. Dick à nouveau, oui, techniquement pas mal ça. Et Libombé, oh, elle partait bien cette frappe d'Anthony Libombé. Son corps en opposition, alors que là il y a un but. Oui, non, non, toujours pas assez, non, Reus, incroyable. Oh, quelle phase. On était toujours dans le ralenti. Et il y a eu une phase invraisemblable dans la surface là pour Liège. Sur ce centre de Mouly, le ballon qui s'écrase sur le poteau, la reprise de Lefebvre, et puis derrière, double poteau, et encore une fois Reus ensuite, devant Ngawa à bout portant, mais quelle situation, ça c'est la plus grosse occasion de cette rencontre, deux poteaux d'affilée pour le coup de coin, c'est parti, repoussé en première zone et on n'ira pas plus loin, c'est terminé, 0-0, nul blanc entre Liège et Beveren et les regrets seront sans et Marine. C'est un bon point pour Beveren au vu des circonstances.